bonjour. 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 Alors vous êtes bien sur Fréquence 7 et c'est cette émission Solidaire d'abord où on essaye de dévoiler les dossiers secrets que les radios mainstream ne vous dévoilent pas. Alors aujourd'hui, alors là, c'est les vacances bientôt, donc on va vous dire bonnes vacances à la fin, mais on va parler de Verbaudet, on va parler de Cazeneuve, de la santé, du chômage, de Yael Braun-Pivet, des fous, de Berlusconi, de la motion de censure, des casseroles et des affaires financières si on a le temps, et même, donc tu disais, de von der Leyen et de l'affaire Pfizer. Mais si on a le temps à la fin, voilà. Ouais, on verra. Alors on commence par Verbaudet parce que c'est quand même une bonne nouvelle, et à chaque fois on peut être tensé de dire toujours des trucs un peu défaitistes, ou etc. Ben, Verbaudet, ils ont gagné. Voilà. Hein, et ils n'ont pas gagné en moitié quand même. Hein. Ils étaient 72 salariés à être en grève. Il y en avait 255 qui continuaient à aller bosser. Hein. Donc, ils étaient en gros même pas un tiers, hein, un quart de la boîte en grève. Et ils ont gagné au bout de 80 jours. Et ils ont gagné, alors, plein de choses, hein, quand même, une augmentation de 90 à 140 euros, suivant la situation, s'ils étaient là depuis longtemps ou pas, la pérennisation du 13e mois. Enfin bon, ils ont gagné plein de sous, c'est-à-dire que ils ont été en grève pendant 80 jours, mais ils ont certainement gagné quelque chose qui fait que dans un an, ils auront plus que... Voilà, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Ils étaient partis tellement de si bas, ils touchaient si peu comme salaire qu'ils étaient au SMIC, donc voilà. Mais les 255 qui n'étaient pas en grève gagnent la même chose qu'eux. Alors de quoi ont eu peur les patrons? L'image? L'image, sans doute. L'image. Ouais. Oui, ça a été très médiatisé, donc... Oui. On a beaucoup parlé, c'est vrai. Ouais. Peut-être de boycott, des choses comme ça, hein, c'est ce que tu disais, Alain, tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas de quoi... Bien qu'en France, le boycott n'est quand même pas beaucoup usité. Hein, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup pratiqué. Plus en Amérique, il me semble. Hein, je ne suis pas bien documenté sur ce sujet. Oui. Il me semble que c'est plus usité. On a essayé une fois, plusieurs fois, il y a eu des boycotts de produits israéliens, tu sais, au moment où ils faisaient des trucs pas nets comme d'habitude en Palestine. Eh enfin bah oui. Bon, voilà, par exemple. Mais... Ouais. Alors tu disais boycott, ça t'a fait penser aux fraises. Oui, boycott, ouais, alors les fraises espagnoles. Mmh. Les Espagnols, ils voudraient mettre 1500 hectares de terre, c'était déjà des terres, mais qui n'étaient pas agricoles, en culture. À côté d'une réserve classée par l'UNESCO, une réserve avec des oiseaux et avec des réserves, il y a de l'eau. Donc voilà, ce serait pour prendre l'eau de la réserve. Et les Allemands, ils ont décidé que... Donc c'est mettre en péril la réserve. C'est mettre en péril la réserve. Et puis voilà. Et puis les pesticides, il n'y a pas que l'eau. Du coup, les Allemands, les consommateurs allemands qui ont décidé, enfin bon, c'est pas encore fait, de boycotter, demander aux gros groupes allemands qui achètent, donc les Lidl et compagnie, de boycotter les fraises espagnoles. Donc, évidemment, les Espagnols, ingérence, c'est un scandale, de quoi l'Allemagne se mêle. Mais bon, voilà, c'est pour l'écologie. Donc, les Allemands, déjà, ils sont en écologie, déjà, ils sont à la pointe, on va dire. Et du coup, ils voudraient carrément boycotter les fraises espagnoles. Donc, c'est à suivre. Oui, puis si les Allemands le font, d'autres pays peuvent s'y mettre. Voilà. Oui, puis les Allemands, c'est une consommation très importante des produits espagnols. Hein. Donc, voilà... Qu'est-ce qui va en découler? Est-ce que le gouvernement espagnol va faire marche arrière? Ou est-ce qu'ils vont essayer de... Alors tu disais aussi qu'il y avait d'autres sujets dans le même genre, dans la même veine, sujets agricoles, où il y a des trucs pas nets qui se passent, par exemple sur le cheptel des bovins. Ah ouais, ouais. Alors les bovins qui rotent, alors le méthane. Donc la Cour des comptes, qu'est-ce qui vient de faire la Cour des comptes là au milieu? La Cour des comptes a préconisé une réduction du cheptel bovin en France. Parce que ils dégagent du méthane. Donc voilà. Donc le. Oui, mais ils ont toujours roté. Oui, 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 mais les gars, oui, mais c'est les gars, c'est la nouveau. Mode. Les gars, ça a effet de serre. C'est la mode. Les bovins du Moyen Âge rotaient. Oh ben. Puis il n'y a pas que les bovins, il y a les caprins et les ovins. Il n'y a pas les chevreuils, les cerfs, voilà, il y a tout ce... Allez, on décanille tout ça, parce que ça rote. Mais nous, qui faisons partie des mammifères, on rote aussi. Ouais, mais pas du méthane. Peut-être pas du méthane. Nous, c'est de l'oxygène. Ouais. Pas sûr. Non. Donc, on tombait là, on est 17 millions de bovins en France. On veut tomber dans les années 2050 à 13 millions.
Et par contre, l'importation de viande bovine d'Argentine a augmenté. Ah, mais parce que les bovins argentins ne rôdent pas. Ah, oui. Ils viennent à la nage. Mais tout le monde le sait, Denis. Ils ne rôdent pas en Argentine. Et en Australie, il y a plus de 24 millions de bovins. Ils les clonent et ils ne rôdent pas. On n'est pas, on n'est pas les D'ailleurs, champions. D'ailleurs, on les reconnaît. Voilà, c'est. Ils défilent avec des panneaux, on ne rôde pas. Ce cher Cour des comptes conseille de ne pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine. Bon, je ne sais pas si ils sont au courant, mais il y en a qui ne peuvent pas se la payer, la viande. Il y a plein de gens pour qui ça doit paraître quand même. 500 grammes, il y en a, même 200 grammes. Ils n'ont pas de soucis, ceux-là, ils ne mangeront pas 500 grammes, il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, autre nouvelle, alors, je reviens quand même au départ, Cocorico pour Verbaudet quand même, hein, on est très content pour eux. Autre nouvelle. Félicitations pour le combat. Oui, pour le combat. Ouais. Comme quoi la lutte paye. Voilà. Comme quoi la lutte 15 paye. Militants écolos ont été attrapés parce que ils étaient fichés, parce qu'ils avaient été vus plusieurs fois dans des manifs, etc. C'est peut-être les caméras, non ? Oui, avec les caméras. On met des caméras de partout. Darmanin veille, ne vous inquiétez pas, Darmanin veille. Donc, ils ont attrapé ces 15 écolos, ils les ont foutus en garde à vue pendant 4 jours. Non, mais excusez du peu, quand même, parce que théoriquement, une garde à vue, c'est 2 jours. Hein. Donc, ils ont prolongé la garde à vue. Ils ont eu un bonus. Ils ont eu un bonus. Et tout ça pour leur poser la question, est-ce que vous êtes Black Bloc ou pas ? Voilà. On connaît la réponse, quand même. Et ils ont été relâchés. Voilà. Donc, ça peut vous arriver demain, hein, si jamais... en gros, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est de l'intimidation, c'est pas autre chose. Est-ce qu'ils ont été nourris par l'État ? On leur a donné à boire. Il y a eu un coup. Est-ce que ces gens-là qui ratent leur travail, est-ce qu'ils sont indemnisés dans ce temps-là ? Parce que c'est 4 jours de sans salaire, ça compte à la fin du mois. Hein. Est-ce que l'État indemnise ces gens même, qui sont... Est-ce que les patrons ne vont pas se servir du fait que, pour dire vous n'êtes pas bien dans l'entreprise, quoi. Les conséquences derrière peut être très importantes. Pour qu'on finisse pas en garde à vue un de ces jours. Écoute, ce soir, là, on va pas en trop en dire. Hein. On va raser les murs. Mais on a Cazeneuve qui veut fonder un nouveau parti. Cazeneuve, moi je croyais qu'il s'était cassé maintenant. il revient. Il ressort les momies et donc il veut créer un nouveau parti différent du PS. Alors Renaissance, donc les macronistes, ont déjà dit que c'était très bien. Je comprends bien, c'est régner pour diviser. Plus les anciens du PS vont se diviser, et mieux c'est pour Macron. Pour eux, c'est bien. Et donc, on peut supposer que... Donc, il y avait Hollande, qui était là avec Cazeneuve, qui paradait tous les deux ensemble. On peut supposer que, donc, depuis ce qui s'est passé en 2012, Hollande a enfin trouvé où était l'ennemi invisible, puisqu'ils repartent en campagne, là. Ils l'ont trouvé, ça y est. C'est bon. Ils savent qui c'est l'ennemi invisible. Donc, on peut faire confiance à ces gens-là. Et tu nous parlais de Bruno Le Maire. Je ne sais plus pourquoi tu m'as parlé de ça à cette occasion-là. Par rapport aux primaires. Oui, aux primaires de la droite. Là, c'était LR. À l'époque, ce n'était pas LR. Mais bon, aux primaires de la droite en 2017, il avait évidemment monté son petit parti, son micro-parti, pour récolter de l'argent pour sa campagne. Et il s'avère que maintenant, il est poursuivi par le PLNF pour dissimulation, pour fraude de la campagne. Bruno Le Maire poursuivi pour fraude. Il n'a pas payé les prestataires qui ont travaillé pour lui. Donc après, c'est la triche. Pourtant, il n'aime pas les dettes. Hein. Non, mais la preuve, c'est que... c'est pas une dette, parce que les autres, ils ne les ont pas réclamés. Il a un problème avec les dettes, ce garçon. Oui, mais en plus, il a fait un gros score. Il a fait 2,5% comme ça. C'est quand même... Alors, on continue sur les brèves. Hein. François Braun a quand même déclaré il n'y a pas longtemps qu'il avait un an pour refonder le métier d'infirmier. Alors, on peut s'attendre vraiment à une grande réussite parce que la dernière fois, il avait dit qu'il lui fallait 6 mois pour refonder l'hôpital. On a vu 8 mois après que... Enfin, quand il a dit ça, c'était il y a presque un an, maintenant. Ouais. 8 mois après, l'hôpital était refondé. Impeccable. Oui. Donc, tout puis, roule. S'ils font pour les infirmiers comme ils ont fait pour l'éducation nationale, c'est nickel. 30 minutes d'entretien. Il convoque un mec, un petit entretien, et hop, le mec, il ressort, il a un site. Là, il est infirmier. Là, il est infirmier.
On continue avec les brèves. Olivier Berruyer, qui est donc un économiste, était interviewé aux médias et nous parlait du chômage en nous expliquant que tous les chiffres que nous balance le gouvernement sont complètement erronés. Enfin, ou sont arrangés. Parce que, bon, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres hein, quand même, quand on les prend dans le bon sens. Hein, on les caresse du bon poil et puis on arrive à faire. Alors, les chiffres officiels, c'est 7,1% de chômage comme en 1982, mais Berruyer dit bah oui, mais en fait les gens qui cotisent au chômage qui sont avec une assistante chômage, il y en a 10%, hein, et puis il y en a 20% qui sont inscrits au chômage, 6 millions de personnes qui sont inscrites au chômage. Oui. Deux fois sur dix. Là, on n'est plus du tout dans le son de cloche du gouvernement. Là. Ah oui. Mais le gouvernement a rayé beaucoup de chômeurs parce que c'était en fin de droit. Et puis avec l'apprentissage, ça a permis de faire baisser le nombre de... Parce que les apprentis, du coup, ils ne rentrent plus dans le chômage. Voilà. Et donc, au passage, ils sont en train de nous faire un truc qui va s'appeler France Travail. Comme ça, il n'y a plus de Pôle emploi, il n'y a plus... Il y a eu la NPE avant. Il n'y a plus NPE, etc. On change les noms. Et comme ça, on va pouvoir changer les chiffres aussi, hein, bien sûr. Parce qu'au passage, évidemment, ils vont avoir d'autres moyens de compter, d'autres façons de compter, etc. Peut-être et comme ça, circuler, il n'y a plus rien à voir. Peut-être que le terme de chômeur ne sera plus dans le dictionnaire, d'ailleurs. Chercheur d'emploi. Ouais, peut-être on va voir ça. Alors, bon, c'est vrai qu'au passage, ils s'attaquent au RSA. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des gens qui vont travailler au RSA, qui sont au RSA, qui vont travailler et qui vont travailler donc pour pas grand-chose. Quoi. Oui, oui, voilà. Même pour moins parce qu'ils auront des frais de déplacement. Voilà, en plus. Et pour un travail, peut-être qu'ils n'auront pas vraiment choisi. Ouais. Ah bah non, hein ah non faut pas exagérer quand même. Et parallèlement à ça, Berruyer nous explique qu'ils ont créé plein d'emplois aidés, qui sont des emplois qui sont aidés par les finances publiques, hein, évidemment, c'est nous qui payons, quoi, hein, pour 1 million d'emplois qui ont été créés. Et c'est cette façon aussi de créer des emplois comme ça, c'est détourner les chiffres du chômage. C'est pour arranger ces chiffres-là. Donc voilà. Mais écoute, les emplois aidés, au fond, Macron, il a bien un emploi aidé. Hein. Oui, il est bien salarié par l'État. T'as raison. Il était des sommes, là. Et t'avais plein de choses à dire sur Macron, d'ailleurs. Ah, Macron. Alors, c'est un jeune président, hein, mais en fait, il gouverne comme un vieux, décalé, sans talent, sans mémoire et sans intuition. La charge est lourde. Là, la charge est lourde, mais disons, il faut quand même s'en rendre compte. Il a une conception totalement verticale de l'exercice du pouvoir, hein, ce qui est quand même plutôt une conception ancienne, disons, du pouvoir. Mais il ne sait pas qu'il y a eu une révolution française, il n'est pas au courant. Voilà, il croit que l'État est l'incarnation de la raison de l'histoire et qu'il suffit d'être à la tête d'un État pour imposer sa volonté. Bah, oui. Lui, il aime la différence, mais à condition que la différence pense comme lui. Moi, dans l'histoire, quand on apprend ça à l'école, on nous parle des despotes éclairés, tu sais. Voilà. Hein, voilà, oui. Eh bien, le roi Manu version 2, nous sommes en démocratie, il y a des contre-pouvoirs, et les contre-pouvoirs, lui, pour lui, il n'y en a pas. Le pouvoir législatif n'est pas le pouvoir du président, mais pour lui, si. Il faut que les mecs ils pensent comme lui, sinon ils n'ont pas raison d'être. Mais justement, tu l'as bien entendu, en juillet 2022, il nous avait expliqué que maintenant on était dans une démocratie apaisée. Voilà, hein, voilà, apaisé. disons, dans la mesure où on pense comme lui, c'est apaisé. Si on pense pas comme lui, eh ben là, on a affaire soit au préfet, soit au flic. Mais, disons, c'est moins apaisé. Hein. Il nous apaise fortement, quoi. Il nous apaise. Oui, mais là, demain, il vient en Ardèche, demain, il vient à Champagne, c'est oui, à côté d'Annonay. Oui. Donc, il verra bien si c'est apaisé. Avec du sop. Oui, il vient avec du sop. Voilà. Je sais pas si donc ils vont apaiser tout le monde. Je ne sais pas s'ils vont bien apaiser, oui. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils seront accueillis par quelques casseroles. Hein, ouais. Tu sais que pour les casserolades, il y en a maintenant qui viennent avec leur téléphone portable, puisqu'ils n'ont plus le droit d'amener les casseroles. Ouais. Ils viennent avec les téléphones portables et ils mettent des casserolades sur le téléphone portable. Comme ça, d'accord. C'est pas mal. Ils enregistrent alors. Voilà. C'est pas mal comme truc. Mais disons, on est obligé de biaiser tout le temps. Hein. Avec la maison. Comme lui, biaise d'ailleurs, parce qu'il cherche à affaiblir les corps intermédiaires, les organisations syndicales, les organismes consulaires, les collectivités territoriales. Disons, il n'aime pas du tout
qu'on lui résiste à ce garçon. Hein. Ouais. Voilà ce que j'ai à peu près à dire. Alors bon, on peut redire à peu près tout ce qu'il a fait. Hein. Il pense que lui, il pense que les institutions fonctionnent correctement. Bah ouais, mais on a bien vu là dernièrement. Bah, oui, hein, oui. De tout marche bien. Il veut se convaincre que tous les événements qu'il a fait vivre sont conformes à la Constitution. Ouais. Hein. Promulgation rapide d'une loi, c'est tout à fait légal. Hein. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis rapidement. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien. 49.3, 44.3, 47.1, 40. Ouais. Et pourquoi pas l'article 16 qui donne plein pouvoir au président de la République. Ouais. Bah, il jongle. Hein. Pourquoi pas. Bah, il jongle, c'est un artiste. Hein. C'est un artiste politique. Oui. Hein. Voilà. Et l'esprit des lois de Montesquieu, ben ça, il en a rien à foutre, hein, à mon avis. Hein, tu parlais même de Pétain et de Maurras. Ah, oui. Il fait des références. Ah ben, il fait des références aux grands hommes de la France, aux mecs bien, comme Maurras, hein, qui est un dirigeant, rappelons-le, de l'Action française, ou comme le maréchal Pétain, qui est un collaborateur, quand même. Hein, voilà, ben, c'est les références de Macron. Et donc, on peut chanter « Tout va très bien, Madame la Marquise ».« Tout va très bien, roi Macron ». Voilà, d'accord. Oui, enfin, il n'a pas tant fait de zèle pour l'anniversaire de la Commune à Paris. Mmh. Là, on ne l'a pas tellement entendu. Il a parlé de tiers, oui, ouais, voilà. Référence, c'est tiers. Ouais. La Commune de Paris, c'était tiers, sa référence. Mmh. Donc là, il a passé vite fait, bien fait sur l'anniversaire de la Commune de Paris. Alors, dans cette démocratie apaisée, on a Yaël Braun-Pivet qui se retrouve à la tête au perchoir de l'Assemblée nationale. Hein. Et oui, c'est une récompense. Et c'est une récompense parce que, souvenez-vous quand même, en 2018, cette même Yaël Braun-Pivet était présidente de la commission des lois et elle a fait obstruction dans l'affaire Benalla. Et donc, elle a été payée en retour et grâce à ça, elle a obtenu le perchoir, en fait. Eh oui, et Benalla, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas trop pourquoi Macron, disons, a toujours protégé ce garçon. On ne sait toujours pas pourquoi, on le saura peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour. Qu'est-ce que Macron lui devait à ce type-là, hein? Il n'était pas issu d'une grande famille, il n'avait pas fait spécialement de grandes études, donc ce n'était pas un ami d'école. Il y a sans doute quelque chose, on le saura. Cherchez bien. En attendant, on attend toujours son procès. Oui. On est toujours à l'attente du procès. On va peut-être attendre longtemps. Oui, si c'est comme Sarko, on n'a pas fini. Parce que rebondissement. Alors j'en reviens à Yaël Braun-Pivet. Donc elle nous a quand même joué un tour de con. Hein, c'est là, en 3-4 mois. Parce que quand même en décembre, elle disait qu'il était hors de question qu'elle interdise un article sous le poids de l'article 40, hein, que c'était hors de question. Mais il n'empêche que entre-temps, ils ont réussi à la retourner quand même, et elle a fini par faire agir cet article au grand dépit de tout le monde, parce que là, aujourd'hui, on a cette motion de censure qui a été déposée par LFI, qui n'aboutira pas, puisque comme Borne le sent bien, effectivement, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord pour voter une motion de censure tous contre, voilà, et donc ils vont continuer à pouvoir nous faire ce qu'ils veulent. Oui, mais d'un autre côté c'est bien parce que les députés qui ne vont pas voter la motion de censure, ben, j'espère que les gens vont s'en rappeler au moment des élections, donc ça clarifie la position de chacun. Et il faudra qu'on communique d'ailleurs sur les positions. Ici, la première fois, il a voté la motion de censure. Il a voté. Même. Donc on ne sait pas la deuxième, hein, on le saura ce soir ou demain. Ouais, enfin, bon. Mais il y en a d'autres députés. Donc après, chaque personne pourra juger son député, qu'est-ce qu'il a voté, et où c'est s'il veut que les gens travaillent 2 ans de plus. D'un côté, c'est bien. Parce que le président du groupe Liotte, hein, c'est pas de Courson, hein, c'est un mec qui s'appelle Bertrand Penché. Il est quand même venu au perchoir expliquer que dire à tous les députés, mais vous êtes devenus fous, quoi. En parlant du gouvernement, hein, pas en parlant des députés. Très bon C'est-à-dire orateur, que là, on est quand même face à un déni de démocratie terrible, quand même. Hein. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé là. Et c'est les conséquences qu'il risque d'avoir par la suite. Oui. Parce que ça va faire jurisprudence, on va dire. Oui, donc par la suite, ils disent bien que tous les amendements qui sont financiers, et ils sont tous à un impact financier, peuvent être recalés. Mais sont toutes lois à un impact financier. Bien sûr. Du moment où on fait un changement, il y a toujours un coût.
Mmh. Oui, mais des fois, pour le RSA, c'est pas un coup négatif. En principe, ils équilibrent, je crois, avec les taxes, oui. Taxes sur les cigarettes. Ils parlent des taxes sur les cigarettes. Une fois que c'est passé, après, ils oublient les taxes sur les cigarettes, d'ailleurs, voilà, en général. Ouais. Mais, enfin, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu mets en route quelque chose qui, théoriquement, devrait amener un fonctionnement meilleur, etc., il faut payer la mise en place du fonctionnement. Il y a toujours une dépense. Oui, mais donc, forcément, il y a une dépense. Quand ils ont fait la réforme du chômage, c'est 4 milliards d'économies. Sinon, on va stagner et il n'y aura plus de loi. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais donc, voilà. Mais ça, ils s'en foutent. Alors, il y a quand même une très bonne nouvelle aussi aujourd'hui. Il y a Verbaudet, hein, donc, qui a gagné. Mais il y a aussi Berlusconi. Berlusconi. Oui. Il ne faut peut-être pas dire ça comme ça, mais enfin, bon, moi, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Le cavalier. Le cavalier. Voilà. Bon, oui. Mais tout ça, finalement, tout s'explique grâce au Joker. C'est la faute aux Arabes. Oui, oui, donc là on parle du décès de Berlusconi, mais il y a eu le décès, enfin, ce Syrien là qui est venu agresser des enfants dans un parc, donc au lever de tollé de LR et du RN, en disant ouais, c'est un Syrien, ils n'ont pas eu de chance, il était chrétien. Mais enfin, bon, voilà. Oui, ils n'ont pas eu de chance qu'il était chrétien, parce que je te signale que les premières déclarations qu'ils ont fait, le RN. Ouais. Juste le truc, ça y est, foutez les musulmans dehors, etc. Ouais. Merde, il est chrétien, le mec. Merde. C'est triste, je veux pas dire que banaliser l'affaire, et que c'est pas triste. Mais cette jeune femme, enfin, cette jeune fille de 11 ans, qui est morte d'un coup de fusil. Tu parles de l'autre affaire. Oui, du Hollandais volant, là. Voilà, ouais, c'est un Hollandais qui a tiré un coup de fusil parce qu'il y avait des conflits de voisinage sur une famille. Oui, mais c'est un Européen, c'est pas pareil. Voilà. Attends, Là, on n'a pas entendu ni l'air, ni la reine, ni personne dire voilà, c'est un scandale, les armes à feu. Il est pas fou, celui-là, tu comprends. Alors que l'autre, il est peut-être fou. Oui, c'est pas les armes à feu. Là, on a fait ça sous silence, en catimini, et ça remonte pas. Bon, en tout cas, ça montre qu'il n'y a pas de sous dans la psychiatrie. Hein. C'est ça que ça montre. Il n'y a pas d'argent donné, disons, consacré aux soins. Dans l'ensemble, aux soins. Hein. Et la psychiatrie fait partie. Voilà, comment c'est possible qu'un mec comme ça, parce que apparemment, il n'était pas à sa première frasque, hein, puisque sa famille savait bien qu'il partait de travers, aussi bien sa mère que sa compagne. Oui. Il va flinguer les mômes il a un môme de 3 ans, il va flinguer les mômes de 3 ans dans un parc. C'est pas par hasard. Les familles de gens qui ont des problèmes psychiatriques sont souvent débordés, dépassés. Oui, oui. Et c'est là où l'État doit justement être présent et soigner les gens. Ils enlèvent les sous, qu'est-ce que tu veux, ils ont complètement déshabillé l'hôpital. Ils enlèvent les sous, et moi je lisais que justement dans les hôpitaux, ils ont mis tellement de gestionnaires que finalement il n'y a pas eu vraiment des économies réalisées. Hein, parce que on a enlevé des soignants. C'est-à-dire on se retrouve avec des hôpitaux où il y a des gestionnaires, où il y a des comptables, des secrétaires, enfin, des tas de gens qui sont là pour la gestion, et au détriment de tous les soignants, infirmiers, infirmières et autres corps médicaux, hein, enfin, donc, médecins et tout. Ça devient fou. Enfin, c'est le comble, quoi. On se retrouve avec des hôpitaux sans médecins ou avec très peu de soignants. Mais avec des bons comptables. Voilà. Ouais. Mais comme ça, il est content, le comptable de là-haut, là. Parce que Macron, c'est un petit comptable, en fait. Hein. Un comptable bancaire, mais c'est ça, quoi. Ouais, quand vous diminuez les fonds publics, c'est l'école, c'est les hôpitaux qui dérouillent. Hein. C'est pas l'armée, parce qu'on va donner 400 milliards. Un peu plus de 400 milliards à l'armée en 5 ans, ni la police. Là, il n'y a pas de souci, on augmente les effectifs, on en trouve, il n'y a pas de souci. C'est une appropriation des fonds d'État, moi je dirais, par rapport à un détournement plus ou moins vers du privé. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui, politiquement, disons, sont bien indemnisés quand même, hein. Donc c'est bien pour ça qu'ils veulent rester. Hein. Tu parlais tout à l'heure de Bond-Rivet, ou Pivet, je ne sais plus comment. Pivet. Bon, je pense qu'il y a eu quand même des pressions à ce niveau, parce que, bon, elle a été, si elle est présidente de l'Assemblée nationale, elle doit avoir une bonne indemnité à ce niveau. Et elle joue sa carrière, hein, la fille, elle n'a pas du tout envie de perdre son poste, hein, et de pas pouvoir se représenter demain. Donc voilà, les mecs, ils sauvent leur peau avec l'argent public.
Voilà, alors on n'a pas le temps de développer sur les casseroles financières, hein, parce qu'il y en a plein qui ont des casseroles financières. Ouais. Et on vous souhaite de bonnes vacances, parce bonnes que vacances. L'émission ouais. est finie. Puis on se retrouve en septembre. On se retrouve en septembre. Ciao, ciao. Bye. Allez, au revoir. Au revoir.